Le père Maï. Très bien. J'avais plus rien, qu'est-ce qui s'est passé là? J'avais une cartouche dans le cul! C'était H la touche! Je m'en fous, j'ai baisé un PMC. Tirus 16 là, tous les plombs touchés! Putain, non, les boules! Oh les boules! Et salut les petits potes, aujourd'hui on enchaîne avec le format maxi vitesse pour les deux prochaines quêtes. Dont Pat le coursier, dont on doit récupérer une petite lettre sur un cadavre dans l'usine. Et la prochaine quête avec le même genre d'objectif sur Douane, où on doit récupérer pareil un objet et s'extraire avec. Donc jusque là ça c'est des petites quêtes pas très dures. Pour ce qui est de la deuxième quête, malheureusement j'ai totalement oublié le record parce que je suis un gros sac et que malgré le fait que je fais genre que je gère absolument tout, en fait je gère que dalle et c'est galère. Et donc Nyoka m'avait proposé son enregistrement en 720p et le problème c'est que j'ai pas du tout réussi à me démerder avec cet enregistrement. La qualité post-compression YouTube était terrible. Donc je pourrais que vous traiter en résumé pour cette quête là. D'ailleurs, pour en revenir à nos quêtes, donc là c'est des deux quêtes assez simples, donc vous les enchaînez, il n'y a pas de souci. Une fois que vous avez fini la première, en fait il va falloir que vous soyez niveau 15 par contre, et donc là on va pouvoir voir que en fait, je suis niveau 13 quand je finis cette quête là. Et donc du coup, pour pallier le manque d'XP, je vous recommande fortement de faire les quêtes de skieur. Pour pouvoir débloquer les toutes premières quêtes de Peace Picker. Donc voilà, il faut faire un certain nombre de quêtes pour ce PNJ là, donc skieur. Et à un moment donné, vous allez choper la quête où il faut faire 7 kills de PMC qui permet de débloquer par la suite les quêtes de Peace Picker. Et ces quêtes de Peace Picker, ça démarre sur Littoral, ce qui fait un bon combo pour enchaîner les quêtes de Punisher. Et qui sont gourmandes en niveau aussi, où il va falloir que vous augmentiez d'un niveau entre chaque quête. Et donc du coup, pour pallier ce manque d'XP là, ben c'est plutôt pas mal d'enchaîner les quêtes entre Punisher et celle de Peacepeaker. Voilà, et là pour la partie sur Douane, donc faut aller toujours dans le Grand Dorms, c'est toujours dans le même bâtiment finalement que ça se passe. Et voilà, faut débrouiller la première porte à droite en entrant au premier étage. Et la mallette se situe sous le lit là, qu'on ne voit pas bien sûr. Et derrière, je vous conseille d'aller voir si vous pouvez pas vous extraire à la voiture, la sortie voiture. Ou faut juste prendre un peu de thune avec soi pour pouvoir en profiter. Bon, parfois elle est pas là bien sûr, donc ça arrive. Voilà, je vous laisse avec la petite game d'échauffement qui était bien sympathique en termes de PVP. Couloir de la mort! Let's go! Bon bah on va direct dans les bureaux j'imagine. Putain, j'ai ton stream. T'as le son? Ouais, vas-y, faut prendre la ligne dans le couloir. Vite, 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 vite. Cours, 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 cours. On est en retard, là, deux! Plus vite. Ah, attention, ils ont peut-être déjà la ligne. Non. Ouais, j'entends que ça marche. Je vais en face. Il y avait quelqu'un dans le couloir. Je vais caler une balle, je pense. Oh là, il m'en a mis une belle. Grenade. Mec, si tu prends balle dans le couloir, je peux passer connecteur. Si oh, il se fight. Il va détruire. Ouais. Attends, vas-y, pousse-toi. Il est mort. Il est mort, tu l'as eu? Non. Pas moi. Je passe Batman. Par la fenêtre. Oh oui, j'ai une tête. J'ai vu quelque chose là, non? Ouais, j'ai vu quelque chose là. Putain, je suis un génie. Un génie du crime. Organisé. C'est moi. Ok, moi je me heal hein. Ah ouais. Ah, il m'a tellement mis mal quoi.
Ok, je vais avoir besoin de toi pour aller au bout après. Je sécurise l'escale. Ouais, ouais, attends, laisse-moi me heal au moins tout sauf mes deux bras noirs, mais que je sois à peu près capable de tanker un peu. Je vais bridge la porte. Merde, ça bouge encore, je crois. Attention. Attends, je vais. What? Je vais flash. Ok, je suis dans le bureau, moi. Ok, je fonce. Check toi. 3 morts. Ok, je pense que celui qui est en haut, c'est moi. Farfelux, yep. Oh, je l'ai défoncé. Le pauvre petit. Lui, il a plus de médaille, je prends son sac. Il a plus de médaille non plus. Je prends un pompe là sur les gars. Vas-y, sers-toi. Il y a de la louterie. Ça qui marche ? Non. Les gars, bouge ! Oh, c'est Aguila, je crois. Non, non, je crois pas, non. Je l'ai eu. Putain, mais merde, mais quelle merde ! Putain, je l'ai pas entendu du tout, quoi. Je garde ta médaille en souvenir. Bon. Je peux peut-être te discard quelque chose, assurer des choses. Ouais, mon casque et mon T4 et mon arme. Ok, il y a du mouvement, je sais pas trop ce qui se passe. Ouais, il y a de la flèche et plus, putain, fuck. Ah, je pensais qu'il y avait plus de joueurs. Ну и чё тут за хуйня? Где Нида? Окей, bon, je vais jeter mon arme. Prends ton arme. Je sais pas où c'est que je le discarde par contre. T'avais un sac? Ouais, j'avais pris un sac sur les gars. Je vais tirer avec mon sac. Maintenant, tu me ramènes tout et puis voilà. Tant pis. Ok. Bah, si tu peux, non? Ouais, je vais essayer. Il y a beaucoup de cadavres à loot. Ah oui. 30. Oh, putain, il y a des bonnes armes. Ça m'attriste. Oh là là, il y a des. Le mec, il a tué tous les autres mecs. C'est incroyable. Comment je fais? Non mais t'as assuré des trucs, je suis désolé, je vais être obligé de te discarder. Ouais, non mais vas-y. Voilà. Y'a pas de soucis. Je vais mettre ça à crèche dans les douches. Vas-y là. Woman. Je ramène avec 2 T4 au final. Oh, il y a un petit piège tombé.
Pas mal sa petite MP5 là.